Bonjour les petits loups. Je pense que c'est la dernière vidéo pratique pour ce mouvement bien compliqué. Donc sans plus attendre, on commence. La dernière fois, nous avions fini le mouvement dans une position très aérienne et très jolie. Je pense que c'était quelque chose comme ça. Maintenant, évidemment, il va falloir enrouler cette colonne, puisqu'il s'agit bien du dragon qui s'enroule. Donc, imaginez que vous dormez et que vous vous enroulez autour du peluchon, que vous le câlinez. Eh bien, c'est un petit peu pareil, mais en position verticale. Donc, imaginez un peluchon devant vous. Donc, on parle de la colonne et il s'agit d'y mettre la jambe autour de cette colonne et l'épée et les deux bras. Voilà, donc ça nous donne ceci. On en était là. La jambe est liée déjà, n'est-ce pas? Maintenant, il s'agit de monter la pointe de cette épée en haut et de la descendre juste au niveau du genou, là. Et l'autre main, pareil. Alors ici, il faudrait que votre épée soit le plus verticale possible. Et évidemment, bien relâcher l'épaule. Donc nous allons le faire tranquillement ici. Monter à la verticale et descendre sur le genou. L'autre main ici. Voilà. Donc vous avez devant vous un cercle avec les bras et les jambes. Eh bien regardez, on va entourer vraiment le fameux polochon. Ça nous fait ça. D'accord? Maintenant, on va travailler que le haut. Pour le moment. Alors, imaginez que vous avez votre jambe, on va la poser et tout votre poids est derrière. Donc, nous avons ce mouvement comme ça au niveau des bras. Là, avec cette main gauche, vous allez juste aller attraper le petit muscle dont je vous ai parlé à la dernière vidéo. Je suis sûre à 100%, bon, allez, 99%, que vous le sentez tendu. Eh bien, hop, on le relâche. Et du coup, lorsque l'on le relâche, vous observez que votre cercle s'installe tout seul au niveau du bras. D'accord? Donc, on le relâche bien. Voilà. Ce qui fait que vos omoplates vont s'ouvrir un petit peu plus. Je relâche et là, j'exagère, mais ça fait ça. Ça ne devrait pas se voir ou à peine. Ici. Là. La jambe, pour le moment, on la laisse tranquille, elle effleure juste le sol, tout mon poids est derrière. Et regardez ce qui se passe. Si vous avez une épée tai chi, il y a un poids. Et ce poids, nous allons nous en servir. Regardez, je vais le laisser tomber comme ceci. Ce qui fait que, en fait, il va faire un cercle. Et voyez, il amène tout mon corps. Si j'écoute bien la trajectoire de cette épée, si je la lâche dans ce sens, comme les aiguilles d'une montre, regardez, je vais lui permettre de faire son cercle en entier et ce qui fait que il amène tout mon corps. Si mon corps est bien détendu, tout est amené. Il ne s'agit pas de faire un cercle et d'y aller exprès, mais il s'agit simplement eh bien, de lâcher l'épée, lâcher et profiter de cette force comme un pendule qui remonte. Ça nous fait ceci. Si nous le travaillons sans que la jambe soit en haut, regardez, mon genou arrière, évidemment, je ne veux pas le voir comme ça, vous devriez le voir par ici, voilà. Je veux le voir évidemment comme ceci. D'accord? Et là, on lâche l'épée et on va suivre. Et du coup, regardez, le mouvement suivant, il s'installe tout seul, au niveau des bras, ici. Les index et majeurs vont aller vers la pointe de mon épée, tandis que mon bras droit est très haut, ici. Voilà. Maintenant, au niveau des pieds, regardez. Si je laisse tomber mon épée en cercle,
Pour aller là-bas, ma jambe va suivre. Voyez, elle suit ce mouvement. Voilà, et j'ai le pompon dans la tête. Voilà, elle suit ce mouvement, cette jambe-là. Donc du coup, l'autre pied va devoir pivoter un petit peu, et là, cette fois-ci, sur la pointe, pas vraiment sur la pointe de pied comme les danseuses, mais juste, on va dire, en dessous des orteils, le coussinet juste en dessous des orteils, il va pivoter un petit peu. Donc là, je ne peux pas le faire sans l'épée, parce que sinon, ça rimerait à rien. Il faut vraiment que je me serve du poids de mon épée pour entraîner tout le corps, voyez? Et là, vous avez vu que ma jambe arrière, regardez, elle a pivoté. Pardon, mon pied arrière, pas la jambe. Mon pied arrière a pivoté sur son coussinet en haut. Donc le mouvement, nous sommes ici, je lâche, je suis et je m'installe dans ce mouvement-là. Alors ce mouvement-là, il a une autre appellation, mais on ne va pas s'encombrer pour le moment. Je vous avais dit qu'on va enrouler à droite et à gauche. Donc du coup, il nous sert à enrouler l'autre côté. Alors maintenant, on va faire le mouvement en entier. C'est-à-dire, je pars d'ici avec ma jambe en l'air. On fait confiance et je lâche mon épée, je suis. Et regardez, j'y suis. Vous voyez, il faut vraiment faire confiance à votre structure. Donc, cette jambe-là qui est en haut, vous la lâchez simplement et elle va s'installer toute seule où elle doit être. Si vous y réfléchissez, on se plante. Faites confiance à votre corps et à son sens d'équilibre. Si vous vous dites, ok, je vais mettre mon pied là, quitte à dessiner même une trace au sol, vous allez vous planter. Donc, vraiment, là pour le coup, faites confiance au poids de l'épée qui vous entraîne et à votre jambe qui va se poser toute seule au bon endroit. D'accord? Alors, évidemment, si vous êtes comme ça, ça ne va pas être correct du tout. Parce que là, je ne suis pas du tout équilibrée, évidemment. Donc, la jambe, elle doit être quand même dans cette partie. Alors, ce qu'on va faire, on fait confiance au corps, mais on va l'aider un tout petit peu. Vous prenez un bâton ou une baguette, ce que vous voulez. Voilà, vous le mettez ici. Ensuite, je me mets là. Je fais mon mouvement. Il faut se dire que mon pied, il doit atterrir l'autre côté du bâton et non pas de ce côté-là du bâton. D'accord? Vous le voyez mieux ici. Donc ici, je recommence. Je suis ici. Je lâche mon épée et regardez, mon pied est l'autre côté du bâton. Eh bien, comme ça, vous êtes sûr de ne pas être en déséquilibre. Le reste, laissez-vous faire votre corps. Donc, on se débarrasse du bâton. Après, évidemment, le bâton n'est que didactique. Vous pouvez l'enlever plus tard. Le mouvement en entier. On allonge, on vient chercher le genou. On lâche l'épée. Et toute seule, la structure se met en place. À partir de là, eh bien, il va falloir enrouler la colonne de l'autre côté, ce qui est très simple. Vous voyez, il suffit de monter l'épée comme on a fait, de viser le genou comme l'autre côté, ici. Voilà. Et ensuite, eh bien, pareil, on lâche l'épée et on finit. Voilà, nous avons fini ce mouvement, mais maintenant dans les détails. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Il faut retenir qu'il y a une partie où il va falloir faire confiance au poids de l'épée et à votre sens d'équilibre physique, pas mental. Ne mettez pas le mental. À ce moment-là
où le dragon s'enroule autour de la colonne et qui se désenroule, c'est juste à ce moment-là, il va falloir lâcher le mental et faire confiance. Donc ici, je recommence. Nous avons travaillé ça en détail. Maintenant, il faut monter. Regardez, je monte. Je vais chercher le ciel comme si je voulais le couper, cette voûte céleste. Et là, je mets mon mental. Il est aussi fixe et droit que la lame de cette épée. Je lâche mon épaule. À partir de là, lâchez le mental. Lâchez-le. Et tout y va tout seul. C'est magique. Le désenroulement est magique. Mais si vous voulez que le désenroulement se passe bien, alors il faut que l'enroulement soit impeccable. Et l'enroulement, on a besoin de cette concentration. Si votre épée est bien droite, ne bouge pas, alors votre concentration est là. Dès le moment où elle est là, on la lâche et on la suit. On suit ce mouvement qui n'est plus du tout dans le mental. Là, tout se place très très bien. D'accord? Donc, une fois que vous avez lâché, que vous êtes ici, voilà, eh bien, on va encore une fois aller couper la voûte céleste, c'est-à-dire s'envoler dans la voûte céleste. Et revenir ici. Sans s'arrêter, ce mouvement donne ceci. Voilà, normalement, il y a trois pas qui séparent les deux côtés d'enroulement, mais là, la pièce n'est pas assez longue pour que j'effectue ces trois pas. Je vais quand même essayer de vous le montrer avec les trois pas. J'espère que ça rentre dans le cadre. Et 1, 2, 3. Bien, nous avons donc fini ici vraiment le mouvement que l'on appelle le dragon s'enroule autour de la colonne. Eh bien, bonne pratique. Vous voyez que le poids de l'épée a de l'importance. Donc, si vous prenez une épée trop lourde, vous pouvez vous faire mal au poignet. Et en revanche, si vous prenez une épée assez lourde, votre mouvement d'enroulement, pardon, votre mouvement de désenroulement peut être disharmonieux. À bientôt pour une autre vidéo. La prochaine, c'est du tuichou. Merci, au revoir.